technique de mon langage musical. Une œuvre musicale, ne se situant pas en deçà des exigences de notre époque, et sans nul doute une gageure, dans la mesure où des siècles d'évolution du langage et des formes ont fini par se concréter en un gigantesque héritage difficile à assumer, pour qui toutefois se situe dans une démarche créative et syncrétique, et non dans une stérile reproduction idiomatique, une indolente régurgitation déconnectée de la nécessité qui a présidé à l'éclosion, à la croissance et à la disparition de tel ou tel genre musical du passé. Il importe de se positionner en toute ouverture face à cet héritage. Instrumentarium traditionnel, excès électrique, musique populaire et musique savante, composition et improvisation, modalité, tonalité, sérialisme, fantaisie rythmique et grooves ostinatiques, légèreté et profondeur, nombrilisme et universalité. Tout cela exige de nous considération et équanimité. De l'universel, nous sommes les enfants. Mais ce dernier a bien du mal à faire de nous ses médiateurs, dans sa suprême et implacable exigence. Ce dépassement de soi peut nous faire préférer le conformisme, mais aussi nous inhiber, nous broyer, parfois, voire nous confiner au silence. Depuis Keynes que le silence est lui-même une option. Aussi, mais dans un autre registre que celui stylistique du rien érigé délibérément en objet, l'artiste maudit, dont la conscience aiguë est préalable à la vraie création, l'empêche de produire la moindre note. Celui-là donc qui choisit de se taire n'est pas exclu et à sa place au fond dans le concert de ceux et celles qui, partant de l'inaudible, en reviennent et sculptent le monde sonore. De notre tente sont que chaque artiste fraye individuellement son propre chemin dans la forêt à peine éclairée des choix quasi infinis qui s'offrent à lui, et que chaque œuvre ainsi créée définit pour elle-même ses propres principes formels et ses propres moyens expressifs, sans payer de tribut à aucun académisme, fut-il d'avant-garde, non plus qu'au désolant conformisme mercantile qui s'est abattu sur la musique depuis des décennies à la nuit.
Nous appelons un grand déformatage. 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 Alors maintenant, sans déconner. C'est dur, j'arrive pas à entendre le truc. Nous appelons un grand déformatage. 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 Nous appelons un grand putain. Arrêtez, vous faites n'importe quoi. Attendez. Il y en a pas un qui le fait bien. Il y en a pas un qui le fait bien. Tu recaleras, c'est pas grave. Putain.